regarde derrière. Oui, un peu plus haut, dis-moi. Plus haut. Voilà. Vas-y, recule. Vas-y, place la clé. Je suis dépossédé des racines de l'or, assurément. Mais je tiens les fils de la tempête et je garde les cachets de cire du crime. Les collections d'André Breton ont été dispersées à l'hôtel Drouot entre le 7 et le 17 avril 2003. C'est dans cet atelier, au 42 rue Fontaine à Paris, que de 1922 à 1966, le poète André Breton vit, écrit et rêve. Sur les murs et sur les étagères s'offrent au regard émerveillé du visiteur les tableaux, objets sauvages, objets naturels, objets trouvés, objets interprétés, assemblés au cours d'une vie par ce passant considérable. Ces œuvres témoignent de l'objectivation sans précédent du rêve surréaliste. André Breton passe sa 20e année en 1916 aux armées. On peut dire que le surréalisme est né d'un sentiment de révolte provoqué par le chaos absurde et sanglant de la Première Guerre mondiale.